Bonjour. Dans cet exercice, on va donner la négation des propositions suivantes, puis on va étudier leur valeur de vérité. La proposition P1, il existe au moins un réel X de R, quel que soit Y de R, de 3X2 moins XY plus 4Y2 différent de 0. Alors, pour la première question, la négation de P1, c'est P1 bar, ou bien non P1. Donc, le quantificateur existentiel devient un quantificateur universel, et on écrit, quel que soit x appartenant à r. Le quantificateur universel se transforme en un quantificateur existentiel, et on écrit, il existe un de r. Et, on donne la négation de cette proposition. Donc, 3 x carré moins y, plus 4y au carré au lieu d'écrire égal on va différent on va écrire égal on écrira égal bon donc j'ai donné la négation de p1 donc quelle est la valeur de vérité de cette proposition p1 alors euh, quel que soit x appartenant à r il existe y appartenant à r tel que 3 x carré, moins y, plus 4y au carré égale à 0 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire si on prend n'importe quelle valeur pour x, on va justement trouver un réel qui vérifie cette équation. C'est-à-dire, cette équation admet une solution. D'accord? Donc, je vais vous donner un contre-exemple. Contre-exemple. Donc, pour nier cette proposition p un bar. C'est bon? Donc, pour x égale à 1. Pour x égale à 1, ça devient, l'équation devient 3 moins y plus 4 y au carré égale à 0. Et si je calcule delta dans ce cas là, delta égale b au carré moins 4ac. Donc ici, b, a c'est le coefficient de y au carré égale à 4. b c'est le coefficient de y égale à moins 1. Et c égale à 3. Donc delta c'est b carré moins 4ac b au carré, ça donne moins 1 au carré, moins 4 fois 4 fois 3. Donc, le résultat, égal à 1, moins 16 fois 3, c'est 48. Donc, delta, égal à moins 47. C'est un nombre négatif strictement. Donc, la proposition P1 bar est fausse, puisque l'équation n'a pas de solution. Puisque delta est négatif. Donc, l'équation 4y au carré moins y plus 3 égal à 0 n'a pas de solution. N'a pas de solution. Donc, bien d'où P1 bar est fausse. Donc, P1 est vrai. Bon, passons maintenant à la. Deuxième proposition, P2. Donc P2 nous dit quel que soit X appartenant à R, quel que soit X appartenant à R, quel que soit Y appartenant à R, X moins Y égale à 1 implique X supérieur strictement à 1. Donc pour donner la négation de P2, je dois d'abord réécrire la proposition P2 à l'aide des connecteurs logiques, négation, la conjonction, disjonction, etc. Donc P2, en d'autres termes, c'est quel que soit X appartenant à R, quel que soit Y appartenant à R, on a dit que P implique Q, c'est équivalent à P implique Q, c'est équivalent à P bar ou Q. Donc P implique Q, c'est équivalent à P bar donc je vais utiliser ce, cette loi logique pour réécrire P2 d'une autre façon donc c'est P bar c'est à dire x moins y la négation c'est différent de 1 ou x supérieur strictement à 1 donc je donne la négation maintenant de P2 donc P2 bar il existe un réel au lieu de quel que soit x un réel et il existe un réel y au lieu de quel que soit y appartenant à R. Donc le quantificateur universel devient existentiel. x moins y différent de 1 devient x moins y égal à 1. Et x est inférieur ou égal à 1 au lieu de supérieur strictement. Donc j'utilisais la loi de Morgan pour la négation de, de la disjonction de deux opérations. C'est-à-dire, si vous avez P ou Q, le tout bar, c'est égal à p bar et q bar. Donc on a une équivalence ici. Bon, est-ce que p2 est vrai Alors, Prenons par exemple x égale 0 et y égale moins 1. Donc pour x égale à 0 et y égale à moins 1, on a 0 moins moins 1 égale à 1. Et 0 est inférieur ou égal à 1 puisque 0 c'est x, il est inférieur à 1, donc ça c'est vrai, et c'est aussi c'est vrai, donc la conjonction est vraie. Donc P2 bar est vrai. Alors par la suite, par la suite, P2 est fausse. C'est bon? Donc je passe maintenant à la dernière proposition. La proposition, quel que soit n appartenant à n, racine n carré plus 2n n'appartient pas à n. Donc la troisième proposition, quel que soit n appartenant à n, la racine carrée de n au carré plus 2n n'appartient pas à n. Alors, cette proposition qui est P3. Je donne la négation de cette proposition, qui est, il existe n, un en entier naturel, tel que, la racine carrée de n au carré plus 2n appartient à n. Ce qui est vrai, puisque pour n égale à 0, la racine carrée de 0 au carré plus 2 fois 0 égale à 0. Et cet élément est un entier naturel. Donc, la proposition P3, bar est vraie, D'où p3 et fausse et fausse donc euh, j'espère que vous avez compris